ce que tu veux bien le faire. Non, 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 tu n'attends pas pour moi, ce n'est pas pour moi que tu acclames. Ce n'est pas pour moi que tu acclames. Tu acclames pour Jésus. Tu acclames pour Jésus. Celui qu'on appelle le roi des rois. Le Seigneur, l'incontournable, c'est lui qui est à mesure de changer les situations, c'est lui qui est à mesure de transformer les vies. Alléluia! Il est notre Seigneur, il est notre Dieu, il est notre force. Merci pour ce moment. Et permettons, notre Père, je te demande de pouvoir mourir dans la salle, de prendre le contrôle. Seigneur, je te demande qu'aujourd'hui, que ce soit le jour de nos miracles, qu'aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit consommée, qu'aujourd'hui, que les personnes puissent trouver la paix. Seigneur, je te prie, descends sur le monde. Dieu à ton voisin, que Dieu te bénisse. Sois ton...
écrasé, je suis élevé de gloire aujourd'hui. Alléluia. Et moi, je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de pouvoir me tenir devant vous. Nous venons d'une semaine très chargée. C'était une semaine de feu. Je suis étonné, toi, tu n'étais pas présent. J'espère que si vous écoutez ma voix, nous avons chargé la semaine. Mais vous aviez raté ce qui n'était pas là. C'était chaud. Et aujourd'hui, on va clôturer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va récupérer. Alléluia. Je suis au militaire aujourd'hui. C'est pour démontrer l'état d'esprit à laquelle je suis venu avec. Si vous remarquez d'autres personnes qui sont aussi au militaire, c'est pour montrer l'état d'esprit d'aujourd'hui. Nous sommes venus pour changer des choses aujourd'hui. Nous sommes venus pour détruire l'œuvre du diable aujourd'hui. Il faut que la chose qui t'est dérangée, il faut que cette chose-là puisse fuir. Tu dois rester calme. Tu n'es pas appelé à vivre seulement les problèmes de ta vie. Non. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Prenons rapidement nos Bibles dans le livre de Zacharie. On va prendre quelques minutes d'exhortation et après nous allons passer à la prière. Alléluia. Zacharie chapitre 3, s'il te plaît, mets un peu. Mets un peu le son, s'il te plaît. Zacharie chapitre 3, est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Honorons la parole de Dieu. Zacharie chapitre 3, verset 1er jusqu'à 5. Zacharie chapitre 3, verset 1er à 5. S'il vous plaît, honorons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'honorer, s'il vous plaît? Lisons la parole de Dieu. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert des vêtements sales. Maman, il dit, oh, Josué, les sacrificateurs étaient couverts de vêtements sales. Allez-y, continuez, c'est très important de souligner ici. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Ça là, c'est un sacrificateur, un pasteur, un homme de Dieu qui était à la présence de Dieu, mais il avait des vêtements sales. Continue, maman. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Et il dit, j'enlève ton iniquité, je te revêt d'habits de fête. Merci, maman. Cela déjà montre, je commence simplement par là, cela déjà montre les changements d'identité. Parce que dans le monde spirituel, lorsqu'on parle d'un vêtement, lorsqu'on parle d'un habit, on parle de l'identité, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Et si vous suivez les débits de ces passages, la Bible dit ceci, le thème c'est le vêtement sale, détruire le vêtement sale. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, c'est détruire le vêtement sale. Parce qu'il y a des gens dont le diable les a fait porter des vêtements sales et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que tel qu'il est là, son esprit est en vêtements sales. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons détruire le vêtement sale. Josué, un grand serviteur de Dieu, un sac, c'est pas le Josué de Moïse. Hein. C'est pas le Josué de Moïse. Ça, c'est Josué le sacrificateur. Un serviteur de Dieu, mais à laquelle le diable, il a fait porter les habits sales. Et Josué se retrouve dans la présence de Dieu. En fait, Josué se retrouve tout le temps dans la présence de Dieu. Mais ces jours-là, il y a seulement un jour. Pendant qu'il s'est retrouvé à la présence de Dieu, Dieu a dit non, cette situation doit changer. Tu ne peux pas continuer à venir à la présence de Dieu avec la même situation. Il faut qu'il y ait un jour afin que les choses changent. C'est le même avec Josué.
Il arrive à la présence de Dieu et l'ange, Satan d'abord vient. Satan, il commence à accuser Josué. L'ange a dit, ah non, Satan, c'est fini. Tu as trop accusé ma soeur. Tu as trop accusé mon frère. Tu as trop, cette fois-ci, c'est fini. C'est fini. Tu peux répéter après moi, c'est fini. Aujourd'hui, tout doit finir. Alléluia. Amen. Et l'ange dit, non. Tu ne peux pas continuer à porter les vêtements sales à ma présence. Aujourd'hui, on va enlever ces vêtements sales. Amen. L'ange ôta les vêtements sales que Josué avait portés. Et la Bible dit ceci, la Bible souligne de précision. Et on l'a rêvé des vêtements de fête. Ah. Aujourd'hui, tu dois porter un vêtement de fête. Aïe, je pensais que je m'adressais à une personne. Aujourd'hui, tu dois porter le vêtement de fête. Le vêtement qui change tout. Le vêtement de l'honneur. Le vêtement de la gloire. Alléluia. Je vais aller rapidement. Est-ce que vous savez que Joseph, durant son parcours, il a porté 4 types de vêtements. À part le songe qui a caractérisé la vie de Joseph, il y a aussi le vêtement qui a caractérisé la vie de Joseph. Le premier type de vêtement, c'était le vêtement en arc-en-ciel. C'était le signe d'amour que son père démontrait vis-à-vis de Joseph face à ses frères qu'il haïssait. C'était ça le premier vêtement que Joseph avait porté. Le second vêtement que Joseph avait porté, c'est le vêtement de l'esclavagisme. Parce que Joseph a été vendu chez Potiphar. Et lorsqu'il était entré dans la maison de Potiphar, il avait porté le vêtement à laquelle la femme de Potiphar avait pris. Le vêtement de l'esclavagisme. La troisième type de vêtement, c'est le vêtement de la prison. Joseph est passé à la prison. On lui a donné un vêtement de la prison. Mais j'aime la quatrième. J'aime la quatrième. Après tant d'humiliation, après tant de rejet, c'est le tour de l'honneur. Alléluia. Bartimée avait un vêtement. On appelait ce vêtement-là mendiant et aveugle. Ça, c'était le vêtement de Bartimée, le vêtement de la honte. Mais j'aime une chose. Pendant que Jésus passait sur le chemin, Bartimée a écouté. On a dit, c'est qui passe là-bas? On me dit, c'est Jésus. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et le vêtement qu'il avait porté, il tomba. Nous sommes venus à la rencontre de Jésus. Nous sommes venus à la rencontre de Jésus. Il faut que ce vêtement-là tombe. Il faut que ce vêtement-là tombe. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu te bénisse. Oh, rata chakaya, maman. Ah, on va aller encore vite. On va monter. Est-ce que vous savez que David, il n'était pas devenu roi directement après avoir tué Goliath? Ça avait pris beaucoup des années. Alors, pendant toutes ces années-là, Saül cherchait à tuer David. Parce que juste après que David ait tué Goliath, Saül avait développé la haine dans son cœur. Et il cherchait à tuer David. Il a créé des circonstances pour tuer David. Mais vous savez, est-ce que vous savez une chose? Saül ne pouvait jamais tuer David. Parce que dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, verset 3, la Bible me dit, David rencontra Jonathan. Jonathan aima David comme son âme. Or que Jonathan était le fils de Saül. Jonathan était l'héritier du trône. Jonathan prit son manteau. Il donna à David. Il a fait des transferts. David est devenu directement héritier du trône. Saül était devenu incapable de pouvoir.
pouvoir tuer David. Parce que David était devenu égyptien à cause du menton royal. À cause du menton royal. Que Dieu t'a rêvé du menton royal aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris cette exhortation? Est-ce que tu as compris cette exhortation? Est-ce qu'on peut passer en action maintenant? J'ai le Père Sénétat, j'ai pris la parole en état. Est-ce qu'on peut passer en action? Est-ce que tu es déterminé à changer les choses aujourd'hui? Tu es déterminé à faire tomber le vêtement de la honte. Tu es déterminé à faire tomber ce vêtement des ingratitudes. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Aïe, 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 c'était une exhortation de 10 minutes seulement. C'était juste pour 10 minutes. Pour te donner le coup, le coup. Tu as arrêté tout le long de la semaine, mais tu peux la récupérer aujourd'hui. Chatala, da, 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 chala. Lève-toi, prends la position idéale. Kalabo, chala. Nous allons d'abord commencer. Nous allons d'abord demander pardon. Parce que il y a un type de vêtements. Ces vêtements-là, on l'obtient juste après avoir péché. Lorsque tu accumules le péché, il y a un vêtement qu'on appelle. Ces vêtements-là, il est caractérisé par le péché. Et de personnes qui ont commis beaucoup de erreurs dans leur passé. Ces personnes-là aussi, des choses que tu ne fallais pas faire, mais tu l'as commise. C'est là qu'il y a aussi un vêtement. Là, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, des personnes où un jour ils ont visité des marabouts. Il y a des fois, lorsque tu entres dans la maison des marabouts, on te met un vêtement. Lorsque tu consultes les charlatans, on te met un vêtement aussi. Maintenant, on va demander pardon à Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. De la même manière que Bartima avait crié, toi aussi tu vas crier. Tu vas prier avec détermination. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Nous prions au nom de Jésus. Et pitié d'une personne aujourd'hui, Zambéo Kapawa,
Thank you.
Lève-toi
correspond pas à Dieu. Nous détruisons seulement l'identité satanique, l'identité de la maladie, l'identité de stérilité, l'identité de la pauvreté, l'identité de l'imitation. Tout est formé d'identité. Château Kakake, Ikakando Koro Kandos Kandes, Nekete Nebabolo, Nokoto Nobolo, Nela Machende Nebabolo, Nikoro Nante, Nila Ide Nayabolo, Onto Nobolo, Tout est formé d'identité. On a créé la famille, dans la ville de Dieu, dans ma famille, je détruis ces mots. Oh Seigneur, visite une personne. Thank you.
choses sont en train de mourir, les hommes, que ce soit les jeunes, que ce soit le vieux, les gens, même ces derniers temps de autres, nous allons détruire tout esprit de mort qui guette ta famille, qui guette ta vie, qui guette ton travail. Nous allons détruire cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous détruisons l'esprit de mort, nous détruisons l'esprit de mort, nous détruisons l'esprit de mort. Les gens ne mourront pas dans cette église. Les gens ne mourront pas des morts de sorciers dans cette église. Les gens ne mourront pas des morts de sorciers dans cette église. Les gens ne mourront pas des morts de sorciers. Soit concentré, il y a quelque chose
Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, visite-moi. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Que ta présence me visite ma famille. Que ta présence visite mes enfants. Demande la présence de Dieu. 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 Si tu parles là, commence à parler là. Si tu parles là, commence à parler là. Commence à parler à l'homme. Commence à parler à l'homme. Tu es la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. La présence de Dieu change les situations. La présence de Dieu renverse le diable. La présence de Dieu chasse les démons. La présence de Dieu chasse les demain. Oh la bouche, commencer à déclarer. Commence à toucher déjà. Prépare ça. Prépare ça, c'est important. Il est écrit dans la parole de Dieu. Ce que je fais, c'est biblique. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 roi, chapitre 18, versets 36 à 37. Donc, je vais lire ça rapidement. Ce qu'on fait, c'est biblique. 1 roi, chapitre 37 et chapitre 18. Verset 10. Je vais les deux qui ne pas. Il est écrit dans la parole de Dieu. Chapitre 18. Chapitre 18. 1 roi, chapitre 18. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel,
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Alléluia. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à mes femmes. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à mes femmes. Que l'on sache que tu es Dieu à mes femmes. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur. Ah, qui a compris ce passage? Si on continue, la Bible dit, verset, et le feu, verset 38, et le feu, et quoi? Et le feu de l'Éternel faisait quoi? Tomba. C'était au moment de la présentation de l'offrande que Élie a pris sur l'offrande. Il a déclaré les paroles. Après avoir déclaré les paroles, le feu tomba. Dieu l'a exaucé. Nous allons prendre touche, c'est prophétique. Moi, je suis prophète de Dieu. Moi, je ne fais pas les choses par sentiment. Je fais les choses selon l'inspiration divine. Si je ne suis pas inspiré, je ne fais rien. Touche cette offrande. Et tu vas maintenant parler à cette offrande. Tu vas donner des ordres à cette offrande. Que Dieu te réponde. Alléluia. Touche ton offrande. Touche ton offrande. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'offrande? Il y a des gens qui n'ont pas d'offrande. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui encore n'a pas d'offrande? Ceux qui n'ont pas d'offrande, est-ce que vous pouvez m'aider vraiment à donner à tout le monde? Je sais que c'est un acte prophétique. On veut que tout le monde pose sa main dans le panier. Aidez-moi à donner l'offrande à 5 personnes. Aidez-moi à donner l'offrande à 5 personnes. À ceux qui n'ont pas d'offrande. Aidez-moi à donner l'offrande à 5 personnes. Aidez-moi à donner à 5 personnes. Aidez-moi, je vais donner aux personnes qui n'ont pas d'offrande. On va poser un acte prophétique. Tout le monde a son offrande, j'espère. Tout le monde a reçu là-bas. T'as reçu? Il y a deux personnes là-bas. Qui d'autre n'a pas? Ah. Je pense que c'est pour tout le monde son offrande. Grâce à Dieu, le deux là-bas. Maintenant, tu vas lever ton offrande vers le haut. Ceux qui étaient là la semaine, ils savent ce qu'on veut faire maintenant. C'est ça qu'on appelle le bonanzambi. Ça, on veut invoquer maintenant Dieu. Tu vas élever ton offrande vers le haut. Élève ton offrande. Et tu commences maintenant à parler. Papa, donne-moi une belle mélodie prophétique. Une belle mélodie prophétique. Parce qu'on veut passer aux choses de l'esprit maintenant. Dieu peut te visiter pendant l'offrande. Oh, Shakaya. Commence à parler à ton offrande. Commence à parler. Donne des ordres. Donne des ordres. Donne des ordres. Donne des ordres. Les plantes qui les prennent au et les caracas contre nos baguettes. Les bababos chétaniaba. Lève ça vers le haut. Présente ça à Dieu. Et déclare la parole. 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 Que quelque chose se passe. Par cette offrande, que quelque chose se passe. Par cette offrande, que quelque chose se passe. Au travers de cet homme, mana santé. Tu dois parler, c'est ton argent. Donne des ordres à ton argent. Donne des ordres à ton argent.
Maintenant tu vas commencer à dire, Seigneur réponds-moi, que le feu descende. Seigneur réponds-moi, que le feu descende. Seigneur réponds-moi, que le feu descende. Parle, commence à déclarer, que le feu descende. Commence à parler, commence à parler.